Alors, coucou tout le monde. Bon, allez, après faire le con, je travaille un peu. J'avais travaillé avant, j'avais fait des orgonites. Bon, aujourd'hui, je vais vous donner l'interprétation des rêves quand on rêve de l'eau. D'accord? Donc, par exemple, quand on rêve de la pluie correspond à un élément céleste. Elle figure ainsi en tant qu'esprit fécondateur des désirs terrestres. C'est la semence du ciel. Elle fertilise la terre. Il faut y avoir la fertilité de l'esprit et les influences spirituelles. La pluie purifie et est de nature animale. Elle est peut-être aussi négative. Ainsi, dans certains rêves, la pluie peut correspondre à la grisaille, à l'ennui, voire aux pensées confuses si des nuages participent à la scène. En cas de tempête, la pluie se transforme en déluge. Pour le rêveur, il s'agit d'une reconstruction de la psyché. Voilà. Quand vous rêvez de cascade, avec son mouvement descendant, elle symbolise l'impermanence. Elle est la manifestation de l'innuable et des possibilités infinies. L'eau ne cesse de descendre. La cascade renferme également l'emblème du mouvement perpétuel. Les gouttes d'eau qui la constituent se renouvellent sans cesse, mais sa forme demeure. Elle est le signe de la pureté et de la force de vie. Elle montre la puissance de l'anima. Georges Romé indique que lorsque la cascade apparaît dans les rêves, c'est pour signifier que les résistances cèdent. Le rêveur peut désormais se régénérer au contact des eaux rafraîchissantes et purificatrices. Quand on rêve de rivière, la rivière se situe entre le ruisseau et le fleuve. Elle évoque ainsi le temps et plus particulièrement l'âge adulte avec ses projets et ses difficultés. Le rêveur peut par exemple rencontrer des alluvions ou croiser des troncs d'arbres flottant à la surface de l'eau. Ce sont les obstacles de la vie. La rivière possède les valeurs de l'anima. Dans de nombreux rêves, il est question de traverser la rivière. Le rêveur peut nager ou emprunter un pont. Dans tous les cas, il franchit une étape. Ensuite, l'océan et ou la mer. Alors, leur étendue est sans limite. La mer symbolise l'essence divine. Elle est d'origine. Elle est origine et aboutissement. Tous les eaux y confluent dans sa rampe, dans la rampe. Tous les eaux y confluent sans la remplir. Tous les eaux en sortent sans la vider. Elle peut prendre le sens des eaux maternelles, puisque la mer est le grand tout. Elle est comme l'inconscient profonde et immense. Elle est peut-être dangereuse lorsque la tempête gronde et que les flots se déchaînent. En ce qui concerne la source, c'est le départ de l'eau. L'eau prend naissance à la source pour devenir un ruisseau, une rivière, un fleuve et finalement pour se jeter dans l'océan. Elle symbolise la vie qui sort de la terre ou de la roche. Elle véhicule les valeurs de l'anima. La source est naturelle et libre. Elle représente la renaissance psychologique. Origine de toute vie, la source étant son symbolisme, elle devient toute origine, celle du génie, de la puissance, de la grâce, celle du bonheur. Jung précise qu'elle est aussi l'origine de la vie intérieure et de l'énergie spirituelle, et qu'il faut la considérer comme une image de l'âme. La source est sacrée car elle permet à l'eau de surgir. Dans sa manifestation première, elle peut avoir le pouvoir de guérison.
La source symbolise aussi la maternité. Dans les rêves, la source peut avoir toutes ses valeurs de vie, de femme, de mère et d'âme. Alors maintenant, on va passer aux astres. Donc, on va faire la planète. En dehors de la Terre, la planète entre rarement dans les rêves. Ce sont surtout les enfants et les petits garçons qui font de tels rêves avec des planètes imaginaires. Les planètes ressemblent souvent à notre Terre et elles symbolisent de ce fait la femme où le potentiel masculin peut s'épanouir. Les planètes peuvent aussi être luxuriantes et accueillantes. Mais dans le rêve, la planète peut être aussi un astre mort. Elle est image du vide et du néant. Elle symbolise alors la séparation, le passage de l'enfance à l'âge adulte ou l'approche de la vieillesse. Maintenant, si on rêve de la Lune, elle symbolise le passage de la vie à la mort et de la mort à la vie. Car pendant plusieurs jours, au moment de la nouvelle Lune, elle disparaît. En tant que reflet, la Lune dispense la lumière, symbole de la connaissance. Mais il s'agit d'une connaissance intuitive, car non directe. Associée au féminin et aux eaux primordiales, la Lune symbolise la fécondité. Elle a inspiré de nombreux contes, légendes et mythes. La Lune symbolise la transformation et la croissance. Elle représente la nuit et le royaume de l'inconscient. Lorsqu'une rêveur fait intervenir cet astre, c'est parfois pour compenser le fait qu'elle est confrontée dans la journée à trop de raison ou de force masculine. La Lune est généralement présente dans les rêves de la première moitié de vie pour la femme. Pour le rêveur, la Lune représente l'animal. L'homme met en scène cet astre dans ses rêves à la deuxième moitié de sa vie. Image maternelle ou féminine, elle montre au rêveur les relations qu'il entretient avec la femme. Alors, on passe à l'espace et la voie lactée. L'espace symbolise le cosmos, le monde organisé. Il représente l'infini. C'est aussi le vide, le néant. Il renvoie au mystère de la vie. L'espace représente souvent le temps comme durée et le besoin du rêveur de transformer sa relation au temps. Dans la plupart des traditions, la voie lactée est synonyme de lieu, de passage qui relie le monde divin au monde terrestre. Tel un fleuve, la voie lactée est empruntée par les âmes. C'est la voie des mystiques et des explorateurs. Maintenant, si on rêve de l'étoile, l'étoile est source de lumière et symbolise l'esprit, et tout particulièrement les oppositions entre les forces de lumière et celles des ténèbres. Les étoiles sont comme des projecteurs pointés sur l'inconscient. L'étoile symbolise la lumière, le guide. Elle est signe de confiance vis-à-vis du destin. Elle peut aussi représenter l'espérance. Les rêves d'étoiles sont peu fréquents, mais puissants. Ils sont traits à notre destinée, à notre prise de conscience vis-à-vis de notre devenir. Le rêveur peut se diriger vers les étoiles et se sentir ainsi maître de sa destinée. L'étoile filante est positive car elle est le symbole d'un vœu exaucé. De telles visions démontrent aussi notre capacité d'émerveillement face à la beauté du monde. L'étoile représente le mystère. Elle soulage le rêveur de ses angoisses vis-à-vis de l'inconnu. Il devient confiant. L'étoile a également un autre sens. En effet, en tant que force féminine, elle peut signifier l'intégration de l'anima. Alors, le dernier, le soleil.
Donc aujourd'hui, on aura fait l'eau et les astres, le soleil et l'intelligence cosmique et délivre la conscience. Il représente la connaissance immédiate. Nous ne regardons pas le soleil en face dans nos rêves. Par contre, nous savons qu'il est présent, car il rend la scène lumineuse. Le soleil est source de lumière, de clarté, de chaleur et de vie. Lorsque le jour se lève, c'est une image unique, forte. Le psychisme du rêveur se lève aussi. Il y voit clair. Les rêves de soleil sont généralement positifs. Ils parlent de lumière intérieure. Le soleil peut même symboliser l'illumination. S'il est trop fort et que la lumière est trop puissante, c'est que notre conscience a été trop rapide et que nous devons ralentir le rythme. Le soleil est représenté ainsi par un grand nombre de fleurs et d'animaux comme le lotus, le tournesol, le lion ou encore l'aigle. Possédant les qualités masculines, il symbolise parfois le père et exprime ainsi l'autorité parentale. Le soleil noir peut apparaître dans les rêves. Il exprime la souffrance et représente l'inconscient. Voilà pour l'eau et les astres. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure.